Hey, hey, hey! Salut tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode du L'effet de Marois. Bon, j'arrête de chanter parce que ça me saoule déjà de m'entendre en avance. Ok, il est 4h25 du matin. On a Azenor qui dort, Aedanor, va, qui, Aedan Vator qui dort, Kale Vator qui dort pas, et Marois qui dort pas non plus. Oh, il y a à manger là. Fish and chips. Mais alors, qui sait, c'est quoi ces gosses qui laissent traîner les trucs par terre là? Ça va pas du tout, hein, ça va pas le faire, on va être d'accord là-dessus. Lui, il a peur. Mais non, Paul, non, faut pas, va pas l'atteler. Non, faut pas. Calmez à Paul. Ça, ce sera bien. Les enfants, je sais pas ce que vous voulez faire, mais il va falloir. Non, arrête avec ce putain d'évier de merde, je vous jure, j'en peux plus. Toi aussi, tu bois un coup, et puis vous allez faire un petit crac-crac parce que ça fait longtemps. C'est dommage de pas en profiter. Essayez de faire un bébé dans le placard, essayez de faire un bébé dans le cercueil, essayez de faire un bébé dans le bain remous, essayez de faire un bébé. Oui? Et sinon, faire crac-crac dans le cercueil, dans le placard, dans le bain remous. Ah, et dans le bain remous, ils n'ont pas été encore, hein. Eh, on va en profiter, on va peut-être inaugurer la chose, hein. Allez, les enfants, les amoureux, des bancs publics. Tchou! Allez, elle éteint quand même la télé avant, histoire de pas gâcher d'énergie. Oh! T'as un joli maillot de bain, Marois. Oh oh oh! Et voilà. Il se passe des trucs coquins là-dedans. Sous fond de jolis levées de soleil dans les tons orange. Vous pouvez voir tout ça. Les oiseaux qui chantent pas, je voulais dire les arbres, pas les oiseaux. Oui, non, ça va aller. La lune qui s'en va. Parce qu'elle a vu le soleil et le soleil il se dit, vas-y, casse-toi, c'est mon heure. Et donc voilà. Donc, voilà. Ah, et nous avons un chat qui vient nous emmerder. Qu'est-ce que tu viens? Ouais, va te donner une friandise. Casse les pieds, toi. Bon, alors aujourd'hui étant l'anniversaire de Azenor, tu peux nous cuisiner un bon petit gâteau au chocolat qu'on mettra dans le frigo pour éviter que les chats le bouffent. Azenor, alors Azenor, ça va être simple. Tu t'habilles. Là, voilà, on va s'habiller, on va mettre des vêtements. Ah, tiens, j'aime bien ce truc. Je crois que c'est une tenue de sport, peut-être. Mais au moins, elle est habillée, la petite, hein, parce que. Regardez voir. Regardez voir, d'accord, je dis jamais ça. Ouais, c'est mignon, hein, voilà, au moins, on l'aura vu dans toutes ses tenues. Discuter des fractions. Complimenter sincèrement. Voilà, elle est proprette. Il y avait. Ah, si, il y avait encore une toile à mettre. Tu peux l'encadrer et la mettre dans l'inventaire. Et dès que Azenor file à l'école, on va aller filer nous à la boutique. Qu'est-ce qu'il veut lui? Lui va avoir faim. Prends des restes, Coco. Oh, il fait du col, hein, au minou. C'est trop choupinet, tout ça. Aidan! Aidan, il peut pas se servir dans le frigo. Oh, parce qu'il est trop petit, trop petit. Alors attention, tu touches surtout pas. J'ai mis pause. Hop. Oh là là, le jeu! Tu vas surtout pas manger le gâteau, moi je te le dis. Attention, parce que j'ai trois chats qui cassent les pieds. Tu vas mettre les bougies. Dépêche. Ah! Enfin, qu'est-ce que t'as, toi? T'as peur de quoi? C'est pas possible. Vas-y, on va l'embrasser. Lui, il aime bien le. D'accord. J'ai des chats très spéciaux. Ah, elle part à l'école. Ok. Mais lui, il mange. Et c'est parfait. On va pouvoir filer à la tic-tic. Tout de suite. Alors, nous voilà à la boutique, boutique, boutique. Et on va mettre des magnifiques toiles. Tac. Là. Ouais, magnifique, c'est vraiment le cas de le dire. Enlever le panneau.
Ici, il y a de la place. On va mettre celui-là. Ça se cale bien. Il n'y a pas trop de place, hein, sachant que là, je peux plus le mettre. Ah si, maintenant je peux. Ok, tout va bien. Ah oui, j'avais mis sur les murs. Et sauf que j'ai mis trop de fenêtres. Hein, donc, si, il y a encore de la place là. On va mettre celui-là. Ah! Mais on l'avait déjà, 1082. Bon, c'est pas grave, hein. Ça fera comme si, voilà. Regardez, on va encadrer la tablette avec tout ça. Et il doit lui en rester là, 6. 6. 6. Mais non! On va les mettre là, comme ça, dans le fond. Et qu'on les mettra dans le... Tout de suite. C'est magnifique ce que tu nous fais, Marois. Je suis estomaquée par tant de talent. Voilà, là, on a tout. Ouais, on a tout, on est bien. Mais c'est vrai qu'il y en a une là qu'il faudra mettre. Mais qu'est-ce qu'elle part faire? Elle me saoule. Et toi aussi, là. Et déjà, tu t'habilles, Coco. Tu vas t'habiller et tu vas me faire une composition. D'accord? Allez, Marguerite. Marguerite, tout simple. Et puis, tu vas t'occuper... Ah, non, pas. Arroser. Voilà. Au moins, ce sera fait. Tu seras utile pour quelque chose. Aidan, mon petit. Tu peux venir là. Hop. Et t'as mangé tes boulettes de viande. Hein? Alors, Marouat. Marouat. Ah oui, alors, il faut que tu mettes... Étant à vendre. Étant à vendre. Étant à vendre. Et on va mettre celle-là ici. Et tu vas la mettre à vendre également. Et celle-là aussi, j'ai oublié. Ouais, pas qu'on oublie et qu'on s'en oublie de se faire de la thune, hein, quand même. On est un peu là pour ça, je veux dire. Ça y est. Notre boutique est ouverte. Wouhou! Une cliente! Flâneuse. Allez, tu vas répondre aux questions. Tu te mets au taf direct. Ah, mais elle s'aime pas. C'est nul. Là, un client. Un client. Se renseigner sur cette de prix. Moi, je les attaque. Dès qu'ils arrivent, ils ont même pas passé la porte que ça y est, quoi. Je vais leur sauter dessus. Bon, petit Aidan, tu sais ce que je t'avais dit de venir là, quand même. Donc, t'es chiant. Tu bouges ton cul et tu y vas. Tu déconnes pas. Quel magnifique bouquet, mon petit Calebou. Je suis estomaqué par tant de beauté. Hop, comme étant à vendre. Maintenant, tu viens aider ta femme à vendre des trucs parce que là, tu sers pas à grand-chose. Réponds aux questions. Salut les clients. Tac, tac. Sans signe sur la fourchette de prix. Et compagnie, préférence d'achat. Hop, magasin, répondre aux questions. Voilà. Là, c'est bon, t'as pas de plainte, il y a quand même beaucoup de choses à faire, hein. Non, mais oh, ça suffit cette histoire. Le temps avance, mais ils sont pas très intéressés par nos toiles. On a plus l'impression d'assister à une réunion des alcooliques anonymes qu'autre chose, quoi. Ah, tu pisses pas chez nous, toi? Tu te barres, hein, sinon. Oh, mais dis donc. Toi, tu vas me refaire une petite compo, tiens. Du hou. Baie d'hiver, allez. Tu bosseras un peu. Des trucs médiocres, là. Oh, quelle honte. Alors. Il faut continuer qu'à les, Ah, il y a plus de choix, là. Des informations, des options. Ouais, vas-y, quoi. S'enthousiasmer à propos du magasin, à lui aussi, parce qu'il est plus haut que les autres. On va réussir peut-être à faire une vente aujourd'hui, hein. Au moins une. Quel choix! Quelle qualité! Nous avons un acheteur. Il va nous acheter quoi? On ne sait pas. Mais on va l'acheter quand même. Voilà. Ta ta. Ta 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 ta. Il va acheter la petite toile, le cœur, la toile enjôleuse. Bah dis donc.
On se demande pas ce qu'il va en faire hein, ce soir. Il va inviter Bobonne et Bobonne, il va lui sortir le grand jeu. Et Bobonne, elle va plus dans le pouvoir, quoi. Elle va faire, ah oui, mon chéri, je t'aime. Et boum, 900. Parfait, tu vas enlever le panal, s'il te plaît, Marouat. Quel choix! Quelle qualité! Attends, j'ai pas le temps de. J'ai pas le temps. Il est où? Il est là. Tu vas acheter. Tu vas l'encaisser, je veux dire. Il va prendre la nouvelle toile, je pense. Caribou, t'as pas encore fini ta compo. Eh! Si, tu as fini ta compo. Ruby. Oh, c'est vachement choupiné. Oh, la composition florale by Calébouille. Hop, à vendre. Oui, elle est un peu mal posée par contre. Juste un peu. Attends. Voilà. C'est très bien, ça met de la couleur. Tu vas m'en refaire une autre. Tu vas me faire crocus. Écailles de sirène. Allez. Ça me dit bien, moi, ça me plaît bien, cette histoire. Alors? Hop! 1546. Merci, monsieur. Tu peux enlever le panal. Et puis, on va en mettre de ceux qu'on a en réserve, là. Tiens, on va mettre celui-là, qui est assez sympathique. Tac. Comme étant à vendre. Oh, et l'île déserte. Attendez. Comme ça. Non! Commence pas, Marois, tu me saoules. Voilà. Pouf, pouf. Ah non, elle veut juste peindre. Bah vas-y, si tu veux peindre, à la limite, ça passe. Hein. Mais pas plus. Mais quelle beauté! Ouh, ajouter un vase. Paillettes roses? Ah oui, ça le fait. Et puis ça reste, ça ajoutera de la couleur. On va commencer à hop, mettre là. Hop! Bah ouais, moi ça me plaît, tu vas m'en refaire un nouveau. Bégonia. Bégonia, rouge romantique, rouge phare violet. Équinoxe d'automne, allez. Tu vas faire des trucs vachement plus beaux, mon petit Calébou là, il est quoi? Il est toujours médiocre, bon d'accord. C'est cool, au moins on reste dans le même registre de médiocrité. Oups, 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 Azénor, rentre de l'école, il va falloir qu'on ferme la boutique. Je vais l'amener ici. Comme ça, on la contrôle un petit peu. Mais il va pas falloir. Tu vas aussi. Regarde, le gamin, il a vraiment envie de dépenser son argent. Donc, tu lui vends. Tu lui vends des trucs. Quel choix! Quelle qualité! Allez hop, on casse le pognon. C'est bien, on aura vendu trois trucs aujourd'hui. On a vachement de points de magasin là. Il va falloir que je regarde qu'est-ce que je peux acheter pour améliorer ma boutiquette. Je pense aussi l'agrandir histoire de avoir un peu plus de toile à y foutre quoi. Va encaisser, dépêche-toi. Ils ont tous envie de pisser. Non mais vous croyez quoi que je vais vous mettre des toilettes à disposition? C'est pas écrit l'abbé Pierre, hein? Bon, mais dis donc, Caleb. Tu fais encore une jolie, des jolis bouquets. Wow, un petit peu de poudre de perlimpinpin. Et je crois qu'il a fini, mais vas-y, 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 ajoute encore. Mais si, ça te va bien les fleurs, ne t'inquiète pas. 815 simflouz. Yeah. Ah, il est joli ton petit bouquet. Tu vas ajouter un vase. Printanier, non, bah non, parce que c'est automne. Alors, automnal, vas-y. Parce que c'est équinoxe d'automne là que tu m'as mis. Ah, oh, c'est joli. C'est joli. Donc on va le mettre là-bas. Hop, et ce sera aussi à vendre. Merci, Calébou. Tu peux aller te laver. Ça te fera du bien, je pense. Oui. Tu vas l'encaisser, celui-là. Qu'est-ce qu'il achète? Une toile ou un bouquet? Hein? Un bouquet, je crois, là. Oh, lui aussi! Caleb! Caleb, Caleb, Caleb! Caleb, qu'est-ce que tu... Oui, tu te... Oh là là. Arrête de te laver, c'est pas grave. Tu vas venir à encaisser, s'il te plaît. Avant qu'il s'en aille. Et puis, on pourra arrêter là pour la journée. Je pense qu'il a pris un vase, hein? Non? Je sais pas. Ah, 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 ah! Oui!
Ah ben non, c'est à toi là, qui l'a pris, je croyais qu'il ferait ça. Oupsie. Tu peux enlever le panneau, stop. Là aussi, enlever le panneau. 1460. Oh bah punaise, ils ont pris les deux toiles dégueulasses roses là. Ah bah quand même, ça marche bien hein, finalement. L'affreusité de ces toiles a plu. Bon, bah de toute façon, on va fermer la boutique et on va rentrer à la maison. Oh punaise. Oh my god. Le méga bug! Ok. Mais toi, si t'es fatigué, mon petit, va faire une sieste, je te l'ai dit, hein. Voilà, on est rentré à la maison et on va organiser l'anniversaire de la petite Azenor. Je vérifie si elle clignote. Oh là là. Pas encore. Bon, allez, on va faire un petit événement social et inviter la famille, les amis et tout le tralala. Apollon et Athéna qui aiment beaucoup la musique du trailer de saison. Punaise, t'es enceinte ou quoi, Jean-Angélique? La vache! Le bide! Alors, avec des magnifiques oreilles pointues et... oh putain, elle n'a pas l'air... Ceci, cette chose-là, que vous voyez évoluer sous vos yeux ébahis, c'est la fille de Gaston et de Rieko, hein? Donc la cousine d'Azénor. Elle fait peur, hein, quand même. Voilà. C'est cette chose-là qui nous sert de cousine. Tu vas te présenter, tu vas discuter un peu avec elle, quand même. T'as pas les... Ah si, c'est quoi ces chaussures, meuf? Mais pourquoi? Pourquoi tant de haine? Dans ton corps, dans ton style? Mais les oreilles pointues, quoi. C'est vraiment les enfants de vampires. Ils sont tous des oreilles pointues, quoi. Faire l'imbécile. Faire connaissance. Se moquer des études. Se vanter de ses notes. Oh! Ah bah, il est temps quand même le lui se transforme en vampire. C'est drôle parce que... Oh, les yeux! On l'a transformé, il y a quand même perpète les oies. Hein. Et ce qui me fait rire, c'est que... En fait, il faut qu'on assiste à sa transformation. Donc, tant qu'on recroise pas le mec... Ben, voilà quoi. Amoureuse des chats. Ah bah comme ça maman. Tiens Gaston. Voilà la petite réunion de vampires. Ah, il y a Caleb qui apprend des trucs à son fils. Les cartes sur le besoin. Et tu vas... Non, tu vas pas dormir. Tu discutes avec ta cousine. Se moquer d'humeur. Non, c'est méchant. Tu discutes des fractions si tu veux. Raconter une histoire inventée aussi. En plus, elle a tellement un beau chapeau à grelot. Écoute, moi, je l'envie, hein. Je sais pas, mais... Voilà, quoi. Elle donne envie, cette petite. Elle donne envie. Tu me fais toujours peur, Gaston. Tu peux pas reprendre ta forme normale? Amical. Demander à avoir une tenue, surtout demander à voir sa... Je sais pas, hein, mais bon. Remix ses pouvoirs. Allez, tu vas grandir, ma petite Azenor. Il est l'heure. Oh, punaise, il nous fait quoi, Caleb, là? Regardez la danse. Ah non, mais il nous fait des trucs de ouf, hein. Allez, Azenor, il est l'heure de que tu grandisses, ma petite. Allez, dépêche, dépêche. Pas que ça foute. Pas que ça foute. Vas-y, sauve tes bougies, j'ai dit. Tu m'agaces. Allez, on veut voir ta bouille de adolescente. Wouhou! Happy birthday, baby! Alors, elle était quoi? Extravertie. Et... Romantique, allez. Et en... De toute façon, ça, on s'en fiche. Hein. Ah, bah, elle est de la ville. Voilà, comme ça, je pourrais le faire. Comment ça? Azenor est devenue rousse. Mais, what? Maintenant qu'Azenor est une adolescente, ses pouvoirs vampiriques. Ok, très bien. Non, mais. Quand je vous dis que mes parties sont contaminées par les roues.
Mais arrête-toi 2 minutes, on veut regarder à quoi tu ressembles. C'est Marois, mais en plus charnu, quand même. Ouais. Voilà, t'as une tête d'idiote, mais t'as une bouche. Arrête, c'est Caleb qui a une bouche comme ça. Calebou. T'as une bouche aussi charnue? Oh, punaise. Ouais, vite fait. Mais bon, hein, ma petite. Voilà quoi. Ouais, bah, si tu veux te prendre une douche, tu prends une douche, hein, y a pas de problème. Va falloir qu'on refasse son éducation. Dites-moi si vous voulez que ce soit une méchante vampire. Ou une gentille vampire. Voilà, maintenant tout le monde s'enjaille sur Cruel Summer. Oh, Gaston, c'est classe, que tu nous fais. Avec la petite Céline. Et Aidan, il grandira. Oh, Aidan. Quelle honte. Ah ouais, Aidan s'en va pas. Tu vas aller faire pipi. Et puis, tu pourras venir manger du gâteau. Attends. Ouais, parce que lui, il mange encore. Nous, on est plein de vampires hein, en bas, là. Donc, tu vas pas pouvoir. Ça va être compliqué. Que tu manges. Voilà, tu prendras une petite portion après ton petit popo. Tu seras tout mignon, mon petit garçon. Qu'est-ce que tu as? Mais arrête de grogner comme ça. Je dois y aller. Oui. Bah ouais, tu m'étonnes. T'es pas partie du groupe, elle est. Oh là là, Azénor, hein, franchement. Faire une blague sur la mode. Ouais, parce que vu, franchement, vu tes fringues. Ah ouais, une rousse. Non, c'est parce qu'elle avait un CC sur ses cheveux et ça a pas pris la couleur du coup. Tout simplement. Voilà, petite Aidan est enfin allée se coucher. Azénor, elle y va, elle y court bon. Ah! Elle a pas beaucoup de poitrine, mais un bon petit cul quand même, un bon boulin. Hein. Bon, de toute façon, d'ici le prochain épisode, je l'aurai éventuellement, sûrement relooké. Ouais, non, ouais, vraiment, il y a besoin. Et, qu'est-ce que tu fais? Ah, il retourne à son PC. Ok, très bien! Et moi, c'est là-dessus que je vous donne, bah, je vous donne, je vous dis rendez-vous pour le prochain épisode du. J'allais dire du DK Challenge. Oh là là, de Marois, je vous embrasse très fort et je vous dis donc à très vite. Merci de m'avoir suivi. Salut.